2016, day 11, September 14. P16, 10 worms. Oh bah oui, je vois par pourquoi les chaînes françaises redoutent tant ce changement. Je trouve que la France produit d'excellentes séries et qu'elle supporte d'ailleurs très bien la comparaison avec les séries américaines des années 80. Et oui, les téléspectateurs ne regardent déjà plus les séries françaises, ils préfèrent s'envoyer des kilomètres de séries américaines. Parce que quand on regarde Les Experts, par exemple, et puis qu'on regarde sa copine française, eh bien, seulement que personne ne regarde sa copine française. Ce fait-il concerne un des fleurons de l'exception culturelle Plus belle la vie. Parce que là, Netflix va produire une série concurrente appelée Marseille, et Plus belle la vie va vite avoir l'air d'un produit low cost à côté. Mais ce n'est pas ça le pire. Le pire, ce sera de constater que les Français vont préférer continuer à regarder le low cost. Vous voyez, Netflix ne va rien changer. Alors vous allez me dire quand même, à partir d'aujourd'hui en France, ce sont plus de 1000 références disponibles. Oui, mais si on compte une heure par titre, ça fait plus de 11 ans de programme en continu. Et même en inclusant toutes vos RTT, vous n'y arriverez pas, vous voyez, hein, Netflix. Je comprends que ça puisse donner le vertige. La France est le seul pays au monde où les gens regardent la télé principalement à partir de leur box fournie par un opérateur télécom. Nous sommes donc aussi les seuls au monde.